Salut tout le monde. Salut tout le monde, c'est Kavi pour l'épisode, je sais plus combien, 108e de Skyrim. Alors comme vous pouvez voir, il fait nuit. Pourquoi il fait nuit? La dernière fois, il faisait pas nuit. Tout simplement parce que j'ai eu plein de bugs, j'ai dû tout rattraper. J'ai perdu des sauvegardes. Steam m'a rendu des mauvaises sauvegardes en plus. Donc quand j'ai récupéré mes épisodes, je me suis retrouvé avec la sauvegarde de 112, je crois, un truc comme ça. Et j'ai des quêtes de magie que je n'avais pas faites. Bref, la misère. Donc j'ai dû recommencer à récupérer mes quêtes précédentes. Voilà. Ah bon, sachez que je suis quand même un boulet, mais j'ai pas fait ça. C'est pas moi qui ai tourné sans le faire exprès. Je pense pas être soit somnambule, soit schizophrène. Voilà, on met la lumière. Alors, j'ai mis en 3 ce pouvoir-là, le sort de capture d'armes. Tout simplement. Je sais même pas ce qu'il faut faire là. Voilà. Ah oui, il faut libérer les vampires. Voilà. Aucune gemme assez grande. D'accord. Plus besoin de mettre ça alors. Raté. Ouais, je suis pas très bon en mage en fait. Hein. Voilà. Oh la vache! Je suis meilleur healer que mage. Oh la 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 la. Ok. Heureusement que je suis un sac à PV. D'accord, j'aurais peut-être dû laisser ça tout simplement. On va récupérer. Bah oui, mais récupérons. Tiens, d'ailleurs. Oh non! J'ai oublié de vider mon inventaire. Ouais, forcément. Bol en bois avec des restes humains. Non, mais non. Le soin. Oh non, Lily. Je suis derrière vous. Il faut que j'échange certaines que choses. Que puis-je faire pour vous, Tan? Ben, plein de trucs. Livres. Bah ouais. Ouais. Et tu peux plus rien prendre, t'es sérieuse? Passez devant, je vous suis. J'ai regardé dans toi. Ok. Oh là là. Sophia. C'est où Sophia? Ah voilà. T'es sérieux? Allez là. Non, même pas. C'est chelou. Bon. C'est un novice, d'accord. Bon. Easy peasy. Oh non. Une gemme et de l'or. Ça suffira. Ah, t'es où? Bon, du coup, je vais les prendre. Ah, oh, bah c'est bon. Ok, j'sais pas, le livre devait peser super lourd, mais. Deck de bonus, bah vas-y, c'est parti. On va juste retrouver Sophia. Ah, cool! Illusion. On va se faire ça en speed. Allez, barre-toi. Voilà. Putain, Sophia, elle est chiant du coup, je sais pas où aller. Ah la vache, c'est quoi ce bouquin de ouf? Eh, mon fond vert, il est beau. Pardon, je viens de voir en fait. Bon, d'accord, il est pas si beau que ça. Sophia! S'il te plaît. T'as besoin de toi. Ah, elle est juste invisible. Storage. Ouais, carrément. Oh la vache, t'as déjà ça sur toi.
quoi que je peux te donner. Les bottes, ça pèse 1. Tiens, prends déjà. Ah, en arme, j'ai pas la dague. D'ébonite. 325. Un livre. Ok. Ok, then. Bah voilà. On va pouvoir rentrer. Ça a été assez rapide. J'ai plus de place sur moi. Ah ouais, non, le fond vert est dégueulasse. On va faire un tour par Yérim. C'est déprimant en fait. Là, j'en peux plus d'avoir tout mettre tout retapé. Hey, regardez. Yérim. Si. Par là. Alors voilà. Je sais pas si je l'avais déjà ajouté la dernière fois. Je sais plus. Mais je l'ai mis. Je peux enfin accéder directement à la maison. Ça commençait à me gonfler un peu de taper la route. Et j'ai cherché. J'ai eu un peu de courage de les chercher. Alors, est-ce que la maison est buggée? Parce que la dernière fois, elle était buggée. Je sais pas pourquoi, j'ai eu plein de bugs. Maison est merveilleuse, mon ami. Ah, merveilleuse. Si vous êtes papa, d'accord, papa. Tu es là. J'ai un cadeau pour toi. J'espère qu'il te plaira. Ah bah oui. Du Nirnroot, merci ma fille. Oh mais non. Non, t'as pas de cheveux. Bon bah je vais être obligé de remettre à jour après. Bonjour mon amour. Ah bah. Nous avons fait un joli profit. Tenez, voici pour vous. Qu'est-ce que des babioles, des petites choses. Ah, ok, bon. On verra ça plus tard. J'irai te faire repousser les cheveux, j'ai pas la bonne version. Ah. Forcément, faut que je prenne l'ancienne version, je sais pas pourquoi la nouvelle ne fonctionne pas. Bah écoutez, on va le faire dès maintenant en fait. Je vous fais une ellipse, ça tout de suite. Je ne sais pas de qui. Il n'a rien dit, juste qu'il était un de vos amis. Bon, on vient de recevoir une lettre, hein. Parce que j'étais en train de faire mon petit bordel en attendant. Livre, lettre d'un ami. Ah, voilà. Vous avez causé du remue-ménage à Vendôme en montrant la puissance de votre tomb. Les gens n'attendent pas tous avec impatience le retour de l'enfant de dragon. Je suis de cela. Et je désirerais vous aider à développer vos talents. Bordecelle a besoin d'une figure de proue. Alors, c'est quelqu'un qui nous indique un endroit où aller. Tiens, ça m'embête. On va faire ça directement. Parce que j'aime pas me taper la route. Hop. pour exposer mon machin. Alors, juste un truc, on va le faire ensemble du coup, parce que j'ai vidé complètement mon inventaire. Oui, c'est vrai, quand on. Ouais. J'ai changé 2-3 trucs, j'avais juste un truc à faire. C'était ça. Il me fallait bande de cuir, il m'en fallait 2. Il me fallait, je crois, un seul os de dragon. J'espère que je ne fais pas de bêtises. Et 2 écailles. Voilà. Bonjour. Voilà. Wolf, c'est plus sympa à deux. Pas deux. Ensemble, oups. Voilà, on a gagné un peu de terrain et puis après on va repartir correctement dans ce qu'on avait à faire. Alors j'ai remis des cheveux à ma femme déjà de base. Dragon. C'est super chiant ça. Voilà. Voilà. Et c'est le casque Pandragon. Putain, j'ai pris ce qu'il fallait. Ok, alors, ouais, vous avez vu, j'ai changé mon stuff. J'en avais marre d'avoir le gros, je suis passé en léger. Donc je vais augmenter le léger plus tard du coup. Ouais, ça me saoulait un peu, je sais pas pourquoi, j'en avais marre. Si, c'est pour les... la vigueur, voilà, oui. Elle a des cheveux.
Et du coup, j'ai remis mon armure là. Du coup, c'est pour ça que j'ai créé ça pour... Voilà. Tout simplement. Donc j'ai laissé ces deux-là, j'ai enlevé, j'avais une douée mère. Donc je crois que j'ai plus rien sur moi de chiant. Enfin, de chiant. J'ai la chair humaine. Ah, j'ai pas fait les ingrédients. Ouais, allez, on fait ça vite fait. Ça, c'est les ingrédients. Ah ouais. Ah oui, j'ai stocké, c'est bon. J'ai eu peur, non. Nourriture, c'est celui d'en dessous. On commence, hein, à bien se mettre. Je vais juste regarder combien j'ai de cœur de Dédra. 5, d'accord, je n'avais que 5 au total. Parce que j'aimerais bien me faire le stuff Dédra. Donc, normalement, je pèse 208, d'accord. Ça, je vais la vendre à ma femme. Tiens, chérie. Cette maison est merveilleuse, mon amour. Non ? Un peu de tout. Ouais. Chérie, chérie. Du coup, flèche par jeu. Ah bah tiens, je t'en vends deux. Ça, j'en veux pas. Oh, j'ai fait des bêtises. Je crois. Armure, bottes, gants. Gants et la couronne. Non, j'ai pas fait de bêtises. Je crois pas. Potion, on s'en fout. Par chaud. D'hiver. Ma chérie, ça pèse 1. Bon, d'accord, c'est toujours ça de prix. Fragments de gemmes. Je sais pas à quoi ça sert, les fragments. Du coup, tiens. 1. On va faire ça. Girocède ou MR. Voilà. Au revoir, mon amour. C'est quoi, lapin? Ah, d'accord. Bon, maintenant qu'on est reparti correctement, il faut qu'on soit tanne, c'est ça. Ah oui, parce que moi, il s'est passé, 20 minutes, au moins, entre deux. Carte, solitude. Palais bleu. Voilà. Palais bleu, on avait quelque chose à faire, je sais plus ce que c'était. Bon, je me prends une boisson en même temps. Voilà. Oh, vous sentez une étrange chose. Ah merde. Il va falloir que je regarde comment ne plus être un vampire. Parce que là, je suis vampire. Oh, c'est chiant. Je me suis fait bouffer en fait. Quand j'ai recommencé, j'ai dû me faire bouffer. Je sais plus comment on fait, je regarderai dans un de mes épisodes, je crois que je l'avais fait. Il faut des cœurs de Dédra ou des trucs comme ça, je crois. Si j'avais besoin de vous, vous le sauriez. J'ai nettoyé, voilà. Horrible créature, n'est-ce pas? Vivre constamment dans le noir ainsi, c'est tellement primitif. Je préfère les produits de luxe, comme ceci. Tenez, votre récompense. Et tant que nous y sommes... Je pourrais peut-être vous montrer ce que je sais en matière de magie d'illusion. Ouais, dites-vous. On va voir après. Prenez soin de vous. Je vais être tanne. Avez-vous à faire avec la cour? Quel plaisir de vous revoir. Destruction, pourquoi tu m'as dit l'illusion? Normalement, destruction, je sais pas. Je peux vous apprendre, mais je ne suis pas responsable de ce que vous ferez avec ce savoir. Je suis déjà à 5, j'ai déjà appris. Madame, bonjour. J'espérais que vous feriez quelque chose de... très personnel pour moi. Certes. Qu'est-ce que je peux Falk faire pour vous? Falk m'a parlé de ce que vous avez fait pour nous à la grotte du crâne de loup. Il dit que nous pouvons avoir confiance en vous. Comme vous le savez certainement, le culte de Talos est proscrit dans l'Empire. Quand mon mari a été enterré, j'ai fait des offrandes à tous les dieux, sauf à Talos. Ok, je vais faire l'offrande à Talos. Je voudrais que vous preniez un de ces objets, une corne de guerre reçue des mains de son père, et que vous la placiez sur un autel de Talos. Un honneur pour moi de vous aider. Merci. Je vous suis très reconnaissante. Ok, bon, bah, il est. Je crois que c'est. Je l'avais déjà fait, celui-là, je m'en souviens. C'était vite fait. Je crois. Ouais, je crois, je suis pas sûr. Voilà. Carte. Ok, bon, bah, j'y alors. Euh...
Ah, c'est dans divers. On s'en fout de ça, je vais celle-là. Voilà, non, en plus c'est pas loin, c'est accessible. Quelle heure? Il est 14h26 et j'ai faim. Ouais, j'ai faim. Oh putain, je t'avais trop pas vu. Le mec, il est sur ma gueule. Bon bah écoute, mon grand déjà. Ah, de sang. Oh, ça va aller. Je prends. Voilà. Bon bah hein, c'était assez simple. C'est où l'hôtel de Talos? D'accord, on va essayer de grimper. Tant qu'on peut. Hein, parce... Waouh. Bon, on va pas grimper alors. On va passer derrière. Bah c'est là, super. Allons faire cette offrande. Non, c'est des offrandes, je vais pas le faire. Là, c'est la corne. C'est parfait. Palais bleu, allons-y. Alors, pareil, j'ai pendant, évidemment, des trucs, j'ai revendu quelques trucs à ma femme. J'ai bugué complètement sur les sous, j'ai dû en acheter, j'ai dû en vendre et au final c'était bugué, je me suis retrouvé avec masse de sous. Bon bah. De toute façon les sous on s'en sert pas spécialement. Enfin, si on s'en servira peut-être pour la maison, mais. Ne le prenez pas mal, mais. J'ai déposé le corps. Falk m'a dit que je pouvais compter sur vous. Ouais, tu peux, t'es pas les vous avez plus que mérité le droit d'acheter des terres et de devenir Tan. Allez voir Falk quand vous aurez les fonds. Et merci. Alors, combien ça coûte? Merci Falk. Faites c'est qui attention. Falk Non. Priez pour ce Falk, c'est toi. Puisse les dieux veiller sur vous au cours de vos batailles. J'ai pas de sous, non? Si, j'ai des sous, je sais plus. Ah oui, 45. Les gens aussi vibe, avez-vous Je prends. Parfait. Une maison est actuellement disponible. Bah, je prends. Merveilleux. Voici la clé de votre nouvelle demeure. Bah, décourons-la, on est blindé. De vous y aider. Ouais, vas-y. Il existe mille manières d'embellir une maison, à condition d'y mettre le prix. Allez, go for it. Et surtout, n'oubliez pas de consulter le guide du bel intérieur. Il décrit les décorations disponibles. Alors, qu'aimeriez-vous acheter? Merci. Une chambre. Très bien, je m'en... Voulez-vous acheter autre chose? Oui, un salon. Très bien, je... Voulez-vous acheter autre chose? Un labo. Très bien, je m'en... Voulez-vous acheter autre chose? Là, le labo, l'alchimie d'enchantement. Voulez-vous acheter autre chose? Décoration de patio. Très bien, je m'en occupe. Voulez-vous acheter autre chose? Une cuisine. Très bien, je m'en occupe. Voulez-vous acheter autre chose? Une chambre pour enfants. Très bien, je... Voulez-vous acheter autre chose? C'est bon, merci. À la porte. Hey, 6000. Bon, bah voilà, on a notre baraque, on va aller la visiter, hein, quand même. Si elle est mieux qu'Irim, on va là, hein. J'aime bien la ville de solitude. Mais après, faut qu'elle soit mieux qu'Irim. Hein. Je vais faire une sauvegarde manuelle en même temps. Ouh là là, il a pas aimé. On y va à pied parce que je sais où elle est. Oh, j'ai des quelques chelous. Alors, deux mannequins d'alchimie, deux les bouquins.
peu petit atelier d'armes, un peu de bouffe, un cagibi avec la chambre de Bobonne. Sérieux, c'est quand même pas ça la chambre. On va passer à l'étage. Donc là, on est au rez-de-chaussée, je dirais, du coup. On est passé par le sous-sol. Ouais. Niveau coffre, c'est pas exceptionnel. À la sortie, ça va être là, non? Solitude, c'est ça, là. C'est pas d'entrée. Et ça aussi, putain. Bah, la pièce à vivre est pas géniale. La chambre, ça donne quoi? Ah ouais, c'est la chambre des enfants. Une perle. Et ça, c'est le champ de tir. Ok, bah, à part le coffre vide, là... Elle est pas géniale, on vient de se faire chier. Ah oui, tiens, Dieu m'étrange. Oh, j'aurais pas dû la prendre, putain. Oh, attendez, je veux pas la prendre parce que je suis obligé de la garder sur moi. Ouais, on va faire ça. Oh ouais, non, non, c'est chiant. Ça nous pèse 0,5 et vas-y, alors, je rouvrirai les portes, hein, parce que j'aime bien ouvrir les portes chez moi. Hop, et puis j'ai pas fini de regarder, je crois, si. Voilà, donc, on ne prend pas. Parce que je crois que pour la quête, il en faut une centaine, alors c'est un truc de malade. Bon, ok, merci. Pas intéressant. Allez, sortons d'ici. Bah, au final, il est même l'heure, là. Il est carrément l'heure. Allez, vas-y, mon pépère. Allez, je peux pépère. Voilà. On arrive où? Allez, on est juste à côté des bardes, en fait. Les bardes sont là. Non, ils sont pas là, les bardes. Si, c'est ça. On est juste à côté. Eh, vous voulez jouer au loup? Non, merci. C'est une bonne défense, pas vrai? Ouais, je suis d'accord. Bah, on va s'arrêter là-dessus. Allez, mon poussin, hein, tente. Voilà. Et génial! Vous voulez pas être mon père? Si. Papa dit que je ne reverrai jamais plus Rogvir. Mais il veut pas me dire pourquoi. Tu veux que je sois ton père, mais t'as déjà un père. Ouais, t'es chelou, gamine. Bon, bref, je vous donne rendez-vous, je sais pas quand, je crois que c'est vendredi, c'est ça, hein. Vendredi après-midi pour l'épisode suivant. Allez, ciao tout le monde. Ouss.